Alors, ouf ou pas ouf le spot? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Moi, bah, écoutez, vous l'aurez compris, hein. Je suis aux anges. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce que je fais un bivouac en famille avec le parrain de mon fils et mon fils. Vous allez voir un petit peu là des bouts de vidéo au moment où j'ai marché, où on a marché, etc. La particularité du jour, c'est que bivouaquer avec son enfant, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est difficile parce qu'il faut trouver un bon itinéraire quand tu as un gamin qui est assez, assez jeune. Moi, mon fils, il a 5 ans et demi. Il faut prendre son matos de bivouac à lui, le mien. Donc résultat des courses, je suis à 30 kilos. Ouais, vous avez bien entendu, 30 kilos. Donc tu vois Tortank, Tortank 2021, c'est moi. Voilà. Donc c'est pas hyper évident. Ce qui n'est pas facile non plus, c'est de trouver le bon itinéraire, c'est ça. J'avais réussi à trouver un itinéraire de 1 heure pour 2,5 km. Combien de nivelé? 200. Donc voilà, c'était vraiment pas évident à trouver une rando comme celle-ci. Je suis bien content d'avoir trouvé. Pourquoi? Parce que l'idée de cette rando, c'était d'atteindre un objectif. L'objectif, c'est cette cascade que vous allez voir et revoir dans cette vidéo, qui est extrêmement belle, surtout avec justement cet arrière-plan qu'il y a là. C'est juste absolument, il n'y a pas de mots, c'est somptueux en fait, c'est juste somptueux. On est entouré de verdure. L'un des critères également de la rando, c'était trouver quelque chose en basse altitude, en moyenne montagne, pour pas avoir froid, pas trop froid. Donc là on est au mois de juin, il fait très bon là, il fait 20 degrés pour l'instant et cette nuit il fera bon parce que je suis à 1300 mètres d'altitude, donc on va bivouaquer à 1300 mètres d'altitude, moyenne montagne, en juin, les conditions sont très très favorables, donc tout est conditionné pour faire passer une super nuit. J'ai quand même pris le nécessaire pour lui, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est hyper important quand vous partez avec votre fils, enfin avec votre enfant, de tout faire pour pas qu'il ait froid. Il vaut mieux qu'il ait chaud que froid. Parce que s'il a froid, il va s'en souvenir toute sa vie et vous risquez de le dégoûter du bivouac. Donc c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Tout ça sous prétexte que vous allez vous alléger. Ben tant pis. Soit vous vous arrangez pour avoir une mule, soit la mule, ben, c'est vous. Voilà, c'est tout. Je vous dis pas que j'ai pas souffert, hein, pendant une heure de marche là, parce que franchement 30 kilos c'est costaud, ça a donné des scènes assez cocasses aussi, mais au moins je suis dans un endroit absolument magnifique, cette cascade qui avait donc ce qui était notre objectif, cette cascade qui était notre objectif, qui était l'objectif de mon fils, d'atteindre cette cascade. Donc voilà, c'est donner un but, donc toujours essayer d'atteindre un but, soit un lac, une cascade, un point vraiment d'intérêt pour que votre fils soit, enfin votre enfant, pardon, soit le plus heureux possible et que ça le motive aussi, qu'il y ait une source de motivation. Si vous faites juste un tour où il n'y a pas vraiment de point d'intérêt, c'est un petit peu compliqué pour lui. Et là où il y a des coins d'eau, etc., forcément il fait un peu plus frais, on est bien. Donc voilà. En plus, c'est assez cool parce qu'on a vu du mammifère, donc c'est très très que je suis super content en fait d'avoir trouvé cet endroit. Et je pense que mes amis Christophe et Mathieu devraient y apprécier. Je pense qu'un de ces quatre on viendra dans ce coin. Alors évidemment là c'est pas une live, c'est une rando facile. Et ce que vous voyez juste derrière moi là, on peut y aller. Là vous le verrez pas. Mais là-bas, il y a une autre cascade. Et
on peut, j'ai discuté avec, on a croisé que deux personnes hein, depuis tout à l'heure, trois pardon, et j'ai discuté donc avec quelqu'un qui est passé, qui est de la région, et qui m'a dit que bah, là-haut ça culmine, le plus haut sommet c'est 2003, donc c'est pas, voilà, et c'est du costaud, et en fait quand on arrive là-haut, bah, justement il y a un lac qui permet à cette cascade donc de se déverser, et apparemment là-haut ça vaut le coup d'œil parce que c'est, ça fait très prairie en fait. Et ouais, c'est juste ouf. Moi, quand je vois cette pierre là, cette roche là, qui est posée comme ça sur la montagne, ah ben j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller la voir. Donc je pense qu'on y retournera. Parce que vraiment, très 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 joli. Un coin de fou. Un peu plus loin là-bas aussi, il y a un beau plateau. Non, c'est beau, hein. C'est vraiment vraiment beau. Hey, j'ai laissé mon fils et son parrain pour partir un peu en éclaireur, vite fait, parce que le sac là est très lourd. Et l'idée c'est de bivouaquer quasiment au pied d'une cascade ce soir. Donc j'avance un peu pour voir s'il y a moyen de se poser, pouvoir poser la tente avec vue sur la cascade. Voilà. Seul inconvénient, c'est que le bruit de l'eau va grave nous donner envie de pisser ce soir. À part ça, ça va aller. Bon, eh bien, bivouac impossible au pied. La cascade, ça, c'est pas possible. Et puis de toute manière, c'est pas très malin, parce qu'il suffit qu'il y ait un orage un peu plus haut, tu prends une pluie éclair, et puis t'es emporté, donc c'est pas malin non plus. Donc, mais au moins, je me suis un peu rafraîchi. Donc on va voir un petit peu là où on peut se poser. Et ouais, ça va être bien, on va être bien. Punaise. On a le temps, hein. Il est que 16h, là. Donc justement, là, on va bien prendre le temps de se poser, même de faire une sieste, tu vois, tranquille. On a pris les hamacs en plus, c'est juste pour faire la sieste. Donc, on va en profiter. Alors, nous avons installé le hamac pour se reposer un petit peu, parce qu'on a marché, c'était dur, hein. Une heure de marche. Ah, mon cœur. Ça t'a plu? Oui. Ça te plaît? Oui. Ah, bouge peine. Ah, t'as petit là. Comme il est beau, mon cœur. Ah. Par contre, je tiens à corriger une erreur. Mais dans mon milieu, on dit le hamac. Regardez ce décor. Absolument fantastique. Absolument. T'as la rivière juste là. T'as la rivière juste là. Faut te mouiller les mains. Va là où t'as de l'eau qui coule. T'as un jeu avec toi. Viens, je vais venir ici. Tu te mets les mains là. C'est pas. C'est parfait, c'est parfait. Rien à redire, c'est parfait. Allez, vas-y, hop là, saute. En fait, j'avoue que malgré les 30 kg de poids du sac, c'est la première fois que je fais un bivouac comme ça, vraiment détente, avec le petit, c'est le top. On a une vue incroyable, regardez ça, cette étendue là, cette eau, cette pierre derrière, oh putain, c'est incroyable.
un massif extraordinaire, comme dans un rêve. C'est absolument fabuleux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tester le hamac. Alors, le hamac, c'est un hamac de chez Miltech, c'est un peu militaire. C'est tout léger, c'est vraiment pas fait pour dormir, vous voyez, c'est juste filé comme ça. Et en fait, ça nous permet de juste pas se reposer un peu, c'est tout. En fait, c'est vraiment que ça, ce bivouac, ça va être que ça ce week-end. C'est repos, 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 repos. On profite de la nature et puis c'est tout. C'est tellement ça la vie. Incroyable les amis, incroyable. Là franchement zéro souffrance hein, pour venir ici. Logiquement. Le bivouac n'est pas autorisé puisqu'on n'est pas loin d'une propriété privée et... Donc voilà, normalement c'est pas autorisé. Par contre, j'ai pu demander l'autorisation à l'office du tourisme qui me l'a très très gentiment donné. Ça c'est cool. Ce soir normalement il prévoit une chute du vent et pas de nuages. On est sur une période où la lune n'est pas visible, donc résultat, j'aspire à faire quelques belles photos de nuit. Et également, au fond, on devrait profiter, je pense, d'un joli coucher de soleil, je pense aussi. Donc, ouais, très très bien. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable, putain. Puis là, d'entendre mon fils là comme ça. Là. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Puis ce qui est très très étonnant, c'est vraiment voilà, tout ce vert. Ah, tu t'oxygènes à fond là, ça fait du bien fou. Et je me dis que dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, je vais parcourir en solo un trek beaucoup plus intense, beaucoup plus dur, avec peu de verre, parce que ce sera beaucoup plus minéral, au plus je vais monter en altitude et au plus ce sera de la roche. Donc. Je profite aussi parce que ce verre c'est hyper agréable. Puis cette eau là, toute cette eau coulée, c'est la vie.
Alors, je vais avoir la mort dans 3, 2, 1. Non, non. Remboursé. En quel tu recomptes? Ouais, bah c'est pas vraiment 2 secondes, hein. Ouais, mais parce que c'est pas la preuve. Elle a mal été remontée. Vu que les 4 de près de pourrissement. C'est bon? Oui, 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 ça. Que tu es beau. Regarde derrière, c'est beau. Le réveil de ce matin est pas évident. La nuit a été bonne, on a très très bien dormi. Par contre, quelques difficultés avec cette tente. Bon, c'est ma première tente, hein. Je m'attendais bien à ce que ce soit pas la dernière, mais en fait, je me suis rendu compte. Là, je me rends vraiment compte qu'elle n'est pas faite pour deux, comme c'est indiqué par le vendeur. Mais vraiment pour une personne, parce que là tout est trempé. En fait, vu qu'on a dormi avec mon fils, ça a condensé de fou. Non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, mais on n'a pas eu froid. Voilà, donc, je dis par contre, si on avait dormi à une altitude plus élevée, avec cette même condensation, ça aurait pas été la même, vraiment pas. Là, il fait, j'ai regardé le thermomètre ce matin, là, il fait 10 degrés, mais en ressenti un peu plus quand même, un peu moins, parce que justement, il y a toute cette humidité. Du coup, pas de lever de soleil ce matin, donc je n'ai pas fait de photo de lever de soleil un peu extraordinaire comme la dernière fois dans le Mercantour. Puisque le soleil s'est levé de ce côté-là. Et vous voyez derrière moi que c'est très très nuageux. Voilà. Là on commence à avoir quelques éclaircies qui commencent à arriver là, sur cette jolie forêt en hauteur. Mais voilà, c'est tout. Donc on va avoir une belle journée, je pense. Là, ce matin, voilà, il y a une petite couverture. L'essentiel, c'est qu'il n'y en avait pas cette nuit. Il y a nuit en début de nuit jusqu'à minuit. Je me suis réveillé vers les 3h30. Plus un pet de nuages. Et la Voie lactée visible à l'œil nu. Donc, vous doutez bien que je l'ai pris en photo. Ainsi s'achève cette vidéo. Alors oui, c'était très court. Vous n'avez pas vu grand chose. Je vous ai pas montré grand chose de la rando. Vous avez surtout vu notre lieu de bivouac. Mais aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Enfin voilà, à la base, je savais pas si j'allais en tourner une ou pas, puisque le plus important pour moi aujourd'hui, c'était de partager ce moment-là en famille. De partager ça avec mon fils, de partager ça avec son parrain, et voilà, donc c'était vraiment le plus important pour moi aujourd'hui. Donc évidemment j'ai tourné beaucoup moins de séquences, ou j'ai tourné des séquences, oui, mais beaucoup plus privées. C'était un petit peu le but aujourd'hui. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Ben je sais que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, voire même pas du tout. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. Et écoutez, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.
Ouais, comme à l'armée. Tu te baisses, tu t'assois, tu le mets, tu dois te relever. J'arrive même pas à mettre les sangles. Je vais partir en arrière. C'est possible. C'est pour ça que je filme. Comme à l'armée, hein. Ouais, tu te lèves, allez. Ouais. Allez, il y a les Allemands. Attends, mais déjà, j'arrive même pas à raccrocher à l'intérieur. Bah, tu sais quoi, je vais le faire après ça. C'est bon, je passe comme ça. Sinon, tu rampes. Allez, allez. Allez, on est bon, on est bon. Il va partir avec. Il va partir avec. Attends. Allez, ça fait le plus dur. Ouais. Ah, super Saiyan, là.